Bonjour, bienvenue dans l'exposition Portrait de Sceaux au Muséum national d'histoire naturelle sur les sites du jardin du Temple Paris. Je suis François Farage, je suis généraliste, professeur de muséum, scientifique en charge d'une collection naturelle française de Pierre Sceaux, et aussi donc commissaire scientifique avec le jardin du Temple de l'entreprise de l'exposition Portrait de Sceaux qui est personnellement endormie à cause de la crise de la pandémie. Merci à tous de nous avoir présenté ce soir et de découvrir, malgré le fait qu'on ne peut pas connaître cette exposition que nous avons organisée. Elle montre plus de 550 pièces réparties dans plus de 1000 mètres carrés. Parmi ces 550 pièces, nous avons des murs magnifiques qui sont autant de pierres précieuses qu'on retrouve dans la nature, des trésors de la nature, mais aussi des pierres qui ont été pratiquées sur tous les continents, depuis les Amériques, en passant par l'Afrique, en Orient, et aussi en Europe, depuis 90 000 ans, puisque on a l'air de tous les anciens, dans les premières semaines qui viennent de Cro-Magnon, mais aussi des personnes contemporaines qui viennent d'être faites par les médias de la vie. Alors, nous avons toujours cette exposition avec l'aide de rencontres expertes et je remercie en particulier l'école de Val-Voisier qui a pu nous permettre ce soir de faire cette rediffusion en direct de tout le cadre magnifique de cette exposition que vous découvrez maintenant et qui nous permet de faire cette exposition. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un vidéo de l'exposition de l'entreprise de Grand Vendôme. Grand Vendôme est considéré comme le père de la durée de contemporaine parce que justement, il a été l'un des plus premiers à installer dans ce pays, non seulement des pierres pacifiques comme beaucoup de Zélandais, mais aussi des pierres naturelles. Et justement, je vous rejoins une image exceptionnelle sur ce Grand Vendôme, le plus de contemporaine. Je suis artiste, je me présente, je suis Grand Vendôme, je suis le compteur, je suis ici dans un magique pour vous parler de l'œuvre de mon père en Vendôme. Je vais vous donner un petit peu de temps pour 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 vous donner un petit peu de tem
conviendra pour donner sa fille, pour tout le monde, pour le monde, pour l'exposition à Rome, le retour des Jean-Vendôme, je dirais, au musée, en tout cas, cette exposition, pour passer de Jean-Vendôme à Rome, pour donner ce point, les gens du public, de l'exposition. Ensuite, nous pouvons prendre un objectif de les instruments sur les technologies de l'âge des gens, donc envoyer dans les questions, que je suis pas en programme, donc professeur à l'école de la maison de l'UE et l'historien de l'âge, avec le chef de rang de l'université en France. En allant sur l'Italie, premièrement, je suis fier de ce que le pôle a fait un caractère, un rendez-vous d'une certaine part, un rendez-vous d'une certaine loi qui est là. Et au rang de l'Europe, quand même, donc, une fois qu'on a fait un problème de genre, un problème de santé, on est dans une ferme de maison, et on se fait un peu de temps dans la Seconde Guerre mondiale, un avion de guerre à droite s'est planté dans un champ à côté, et dans un il va faire un morceau de ce papier, c'est tellement dangereux, et avec un morceau en tourne-vis, on va transporter ce morceau de métal, et avec la lumière du soleil, on voit apparaître le Christ dans la lumière, en fait, dans la lumière de l'objet. Et c'est une œuvre assez étonnante pour un garçon de 17 ans. En fait, c'est juste, j'ai simplement posté une pièce, une œuvre ses parents qui ont la foi chrétienne ancrée dans eux, donc le Christ avec la couronne de thorns. Cet objet est assez étonnant, très traumatisant, parce que c'est vraiment pour moi, c'est un objet très bon. Un homme qui a beaucoup de talent et il veut faire quelque chose au chemin. Donc quand il retourne à Rome, donc pour continuer sa scolarité, lui, il veut pas qu'il est à l'école, il veut faire des connaissances à l'école. Donc, sa mère l'envoie chez son oncle au joyeux. Et il va commencer son apprentissage pour voir la tête à 12-13 ans et comment ça se passe dans le futur. Et sur cette image, on voit l'établie vers 10 au temps, À 18 ans, il décide de se mettre en sortie, donc c'est vraiment très jeune à l'époque, en formant une carrière de l'époque. Mais là, par les droits de la scolaire, il est quand même réussi à se mettre en sortie. Et voilà, donc il commence sa carrière, et il va ouvrir son premier magasin de l'étudié, au tout moment, son deuxième magasin, c'est très loin, et son grand frère. Donc, on voit cette image, donc, de Nelly et Edouard, donc, c'est leur rencontre. Donc, Nelly, en 1955, Jean lui fait cette pièce superbe, qui est un poste mal pavé, qui est peut-être une bonne idée, des pavés de Paris, sous la pluie. Donc, ce côté de l'énergie de Colombien Bleu, qui est donc un important. Et donc, je crois que les enfants du monde, à travers l'œuvre du monde, ils non seulement ils vivent par la vie, mais aussi une autre façon pour être mieux. Et moi, je vois bien dans cette carrière, je vois bien aussi dans cette donc, c'est ça, c'est que donc, il va se faire un passage de son nom, mais aussi, parallèlement, il a suivi les causes du soir à partir de 16 ans, pendant 4 ans, avec les points de vue de l'histoire, les chronologies, avec le dîner à l'hiver, avec le dîner à l'hiver, avec l'histoire de l'hiver, avec l'histoire de l'hiver. Donc, il va comme ça apprendre à tenir le cœur, à comprendre le cœur, à réagir le cœur, c'est le dîner à l'hiver qui nous donne vraiment. La mienne, révolutionner son administration professionnelle avec des œuvres très contemporaines de l'époque.
L'ouverture est intéressante à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que c'est une bague ouverte, c'est une bague qui est asymétrique, c'est une bague qui est très visible, très carré, de forme carré, donc c'est vraiment une forme très intéressante. On a la première version en 1956 avec le structure, et on a la dernière version de 2006 avec ce truc de cours la vie Thank you.
À ce poste-là, donc, on a le premier palette, la tonaline, avec des sièges de tonaline, et puis le premier qui appelle la pigasse. C'est très abstrait comme objet, c'est une intelligence incroyable. Car pourquoi la regarde? Parce que c'est un voilier, parce que le reflet du voilier dans l'eau, donc le reflet est toujours inversé, donc le voile c'est un corps structure, les flots sont à la piscine et la lumière est à la bagage de diamant. En fait, il était très attaché à la mer, à la voile, toujours parce que le voile est un corps de voile. Alors, les deux pièces sont faites pour le fer de quartz qui date de 2007 et le Maïra de 2007. Donc, le fer de quartz, c'est vraiment ce qu'on a dans la dernière époque de son travail. Il est vraiment une part dans une liberté totale de notre espoir et de ce qu'on a fait. Donc, on a le temps, c'est pas dans les plus parce que Thank you.
problèmes de différents pièces, de différents périodes, qui vont par ailleurs nous dire dans la première partie de la vie. Au sens de cette place, sur ce point-là, il y a toute une collection de vidéos qui ont appartenu à Léna Taïa, donc un jeu à la fin à partir de 2000 spectateurs. Donc, c'est très bien grand parce que la plus proche de nous, c'est un test qui est une question pour les deux autres acteurs. C'est une question pour les deux autres acteurs. Et enfin, avec cet aspect de blanc, je peux vous donner une pièce en vol de quoi je pense. Et c'est deux vidéos de deux autres acteurs. Et j'ai juste pensé à la vidéo, parce que le but de la vidéo, c'est une approche de parasite. Thank you.
disposition de l'horizon 24. Et en particulier, pour mon épouse, vous voyez la vitrine que nous avons construite à l'époque en 2016, qui a eu un très grand succès dans la fin de tour, que ce soit en tant que directeur, comme vous avez été en 2016, en 2016, mais donc on a été vraiment très célèbre. Et vous voyez le conflit qu'on a voulu développer à l'époque, avec des cristaux, des habitudes telles qu'on les trouve dans la nature, tout en bas, avoir des habitudes qui sont bien dans la plus, tout en bas, l'âge de l'âge de des invasions sur la gauche, et de l'eau du sud, et une plaque qui vient de France, parce que la France est très riche en habitudes, de l'intérêt, et de l'eau qui est particulière du sud-homme. Et l'eau du sud, il y a des habitudes de propriété qui permettent aux gens de comprendre comment le peuple de l'habitude de l'intérêt, de l'habitude de l'intérêt, c'est beaucoup de gens qui les habitudes sont extrêmement importantes, les habitudes sont très importantes, les habitudes sont les fameuses habitudes des joyeux de la forêt de France, qui ont été transportées à la part de l'intérieur de l'année, aux joyeux de l'année, dans les années 1810, pour en faire cadeau, pour en faire une forme de lien, qui va se faire grâce à ce que l'on utilise, de Thank you.
1977 et il a présenté le document. Mais le problème, c'est que trois jours avant de la mettre en vitrine, l'objet faisait 76 cm. On lui a demandé de couper à 30-40 cm et on les voit actuellement. Et ça a une part de ligne de. Parce qu'en fait, la vitrine n'était pas assez haute. Thank you.
nous manquons trois anarchistes dans le fond de joyeux d'accourage que les hommes de Christine et les femmes, ces femmes, nous en plus des autres qui nous ont des femmes qui sont en train de dans un texte absolument fondamental de ce que
Gatineau. Les cristaux sont les formes les plus abouties de l'art. Les cristaux naturels sont les formes les plus abouties de l'art, bien au-delà des peintures et des sculptures. Et en fin de compte, la personne de savon ouvre un travail pour s'afficher des minéraux et d'où le juste de l'art de tous. Jusqu'au moment où j'ai vu ce photo en arrière de la salle, il s'est dit pas que lui, les échantillons, deux millions, deux millions d'histoires de l'art, dont la salle de tous les échantillons, photographie de minéraux et de et on peut voir donc dans l'expo, il y a une nouvelle forme de main qu'on a retrouvée dans la collection, que dans la salle de photographie dans le monde, et qui est inspirée de ce qui est en train de se faire. Et c'est à partir de ce moment que les numéros sont devenus esthétiques et beaux aux yeux des gens, et notamment des intellectuels parisiens dans les années 30. Alors après, effectivement, il n'est pas étonnant que des gens comme Roger Pellevoin, en compagnie, qui sont aussi intéressés aux minéraux naturels, comme des objets d'inspiration, peut-être d'inspiration culturelle, beaucoup de Roger Pellevoin, et on voit notamment ici une pierre qu'on a évoquée qui est un contrôle de l'histoire, qui a simplement existé au début, mais qui a rencontré un tableau que l'on a Roger Pellevoin, un tableau qui se voit sur la montagne du cubisme, le 1er décembre espagnol, dans ce moment, en 1913, qui est en réduction aux États-Unis maintenant. Et à tel point que pour quelqu'un qui rencontre ce tableau de l'histoire existant, Roger Pellevoin va encadrer celui pour rappeler cette notion de peinture minérale. Et j'ai retrouvé une histoire noir et blanc de cette pierre, qui était à l'époque dans l'intérieur de Roger Pellevoin. Et je pense à la dernière fois d'une relation entre cette personne en 2018, nous avons une première récupérée et une grande partie de la collection du départ de collection de Roger Pellevoin de la femme musée, et en particulier ce qui est le restaurant qui s'appelle le portrait que vous pourrez voir dans l'exposition qui est disponible ici au musée. Et donc, la France, c'est vraiment logique dans cette univers, c'est qu'elle a le temps de consacrer le numéro comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Effectivement, Jean Rabin peut prendre le temps et il est tout à fait dans ce mouvement de reconnaissance de la beauté esthétique du milieu, mais aussi aussi, pas pour des critiques extrêmement de la France, mais pour le temps de la France. On voit les différentes pièces qui sont exposées ici, que nous avons pu voir, soit de la perspective individuelle, mais aussi des pièces de collection privées. On a très clairement la retrouve de l'usage de l'année, on a une date pour l'année qui est en mer, mais aussi une autre pièce. Pas du tout, on a une date qui est en mer, c'est le projet de l'Iran, c'est le terme de la pièce pour la fille, pour la c'est le terme de la pierre. Les affaires ne sont pas dans les deux, sont pas forcément. Voilà, c'est une dernière geste, c'est quelque chose qui est important pour les affaires. Alors, même si on a des affaires de vie, une fois de plus, pour les clés, pour les clés, pour les clés, pour les clés, pour la vie, pour les clés, pour les clés. C'est donc, on a vraiment l'impression, vu que c'est une boîte qui est en commerce, c'est pour la vie humaine. Donc, en cours, il y a des affaires, il y a encore des problèmes. Donc, il ne dit que 20 ans, il y a une identité, et je vais le dire,
Nous avons aussi les deux aspects de ces deux expositions. Donc, l'exposition de la Paris en 2002, à la Paris, puis de Pierre-Christophe. Je crois que nous allons prendre bientôt en voyant une prochaine conférence qui va être annoncée dans la suite de cette série. Nous allons bien comprendre donc les questions des internautes. On va parler de différents programmes, donc il s'agira de professeurs à l'école des arts et des métiers. C'est le bon qui est en train de restaurer le système de l'art en Nicolas Cabonica. Quel est le message de l'art? C'est un local Oui, mais ce qui est vraiment très important, c'est que quand même, c'est que l'ensemble des vestiges, il y a des familles de filles, il y a une tangente avec les femmes, c'est que les filles ont changé de façon très naturelle. Et on est un peu dans le réseau canot, là où on peut dire ce qu'on peut dire. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme des vestiges, c'est un peu comme des vestiges, parce que vraiment, la beauté abstraite de l'étudiant, il représente l'abstraction de 70, qui ne sont pas encore connus du public, des bijoux inachevés, des bijoux à améliorer, qui sont autres. Je pense qu'on pourra peut-être présenter cette question. Avec les étudiants aussi qui sont dans le cours et qui vont avoir des informations précises à ce sujet. Alors, les voies que nous voyons sont à l'unique pour être réalisées à plusieurs exemplaires. Pour la facture, elle a fait un cadeau de jeu, elle a fait un cadeau de jeu, mais c'est la chose qui est fait à et tout ce genre de choses pour que l'autre soit en ligne. Oui, parce que c'est pas naturel, c'est en ligne, mais elle n'a pas de toute façon de faire ça. Oui, pourriez-vous expliquer comment se monter ce cœur? Oui, alors le montage des minéraux, c'est sur les boîtes, dans le stock de boîtes, dans le stock de boîtes,
de l'or, de métal, des parchemins, et toute la terre, 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 Donc, on a demandé qu'on y a préféré de Jean Vendôme, de l'Ouest, donc il y a une autre fois que je voudrais aimé, sublimé, autant, sans y parvenir. Il y a un aspect qui est beaucoup plus fort comme la population d'Ancien, c'est de la loisirie, de la présence, de la question qui demande si on a utilisé des travaux de l'Ouest, parce qu'il y a une Merci.